Salut à tous et bienvenue sur TechWorld. Aujourd'hui, nous allons parler d'un routeur Wi-Fi, le TP-Link Archer ou Archer C20i, qui est un très bon rapport qualité-prix. TP-Link a mis le paquet pour ce produit qui, pour 30€, propose de très belles choses. Commençons par son design sobre et qui passera de partout. On pourra aussi remarquer sa petite inclinaison qui donne une originalité à ce produit. Sur les côtés, nous pouvons voir le bouton d'alimentation, le contrôle du Wi-Fi et le reset du WPS. Et une prise 2.0, et donc on pourra brancher une clé USB qui pourra nous servir de NAS. Et c'est la question que je me suis posée. Et je n'ai pas réussi à trouver cette clé USB que ce soit dans l'application, soit sur le site, ou soit tout simplement dans le réseau. Du coup, cette prise doit sûrement servir à recharger votre téléphone, par exemple. À l'arrière, nous pouvons voir le switch, ainsi que la prise d'alimentation. Il ne reste plus qu'à le brancher, et se connecter sur le site tplinkwifi.net, et s'identifier. On arrive dans les paramètres du routeur, et ce qui m'a surpris, c'est toutes les modifications qu'on peut faire sur ce routeur, qui est bien sûr en dual band, ce qui signifie qu'on peut avoir deux réseaux Wi-Fi totalement différents, un en 2,4 GHz et un autre en 5 GHz. Par exemple, vous pouvez configurer votre routeur de façon qu'il s'éteigne tout seul à 2h30 du matin, et qu'il se rallume à 7h pour qu'il ne reste pas allumé 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et qu'il a un temps de repos. TP-Link a aussi pensé aux personnes qui n'ont pas de PC et qui ont seulement un téléphone. L'application Tether permet de voir votre routeur et de le configurer. Elle embarque pas mal de modifications possibles, mais pas autant que sur PC, ce qui est dommage. Le routeur embarque une très bonne Wi-Fi, meilleure que ma carte Wi-Fi TP-Link WDN4800 qui coûte 40€. Avec une connexion de 20 Mbps en download et 0,8 Mbps en upload avec 23 millisecondes de ping. En conclusion, TP-Link a fait un joli produit avec beaucoup de fonctionnalités et une Wi-Fi très stable et puissante. Pour 30€, n'hésitez pas à foncer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça nous permet de mieux commencer notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour savoir des choses encore plus folles, et à la prochaine.